il est bon de savoir donc d'où on vient et de savoir ce qui a été donc en tout cas donc planifié. C'est tout cela s'inscrit dans le programme là, du gouvernement, du chef de l'État, qui a instruit donc le secteur de l'électricité, le ministère du Pétrole et de l'Énergie, à l'effet d'apporter de l'électricité de qualité et de l'électricité partout en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'un ensemble de plans ont été établis. Il y a donc là des plans directeurs pour la production, pour le transport, pour l'électrification de tous les villages de Côte d'Ivoire, mais avec une étape intermédiaire, l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants. Et donc les résultats sont là. Aujourd'hui, il y a donc l'énergie, en tout cas, il y a la capacité, il y a des ouvrages de production qui ont été donc mis en service, aussi bien au niveau donc thermique, hein, ce qui a été fait à Cyprel, donc à Azito, ce qui a été fait aussi au niveau donc hydraulique, hein, vu que ça faisait plus de 40 ans qu'on n'avait pas fait donc, le barrage de Soubré donc, a été fait. Et également, il y a d'autres projets donc, de production qui sont en cours. On pourra donc revenir donc, là-dessus. Mais il y a aussi, pour apporter l'électricité partout en Côte d'Ivoire, il y a des réseaux de transport qui ont été développés, il y a des postes sources donc, historiques qui ont été mis en service. Et aujourd'hui, le chef de l'État donc, a donc inauguré ce mois de novembre le poste de Dabakala. Nous avons mis en service après un poste source donc, à Bondoukou, en fin d'année un poste source donc, à donc, Tanda. Et puis également pour montrer que ce développement se fait partout, on était donc au centre, on a fait l'Est. Il y a aussi un poste source qui a été mis en service enfin, donc, à Vavois. Un poste source qui a été mis en service donc à Iti et il y a d'autres postes sources également, et un poste source qui a été mis en service également donc à Kong. Donc il y a au total 8 postes sources qui ont été mis en service, et la première phase du poste source de Bassam qui a été mis en service donc Bassam 2. En tout 8 en une année contre une quarantaine que la Côte d'Ivoire connaissait, donc ça montre vraiment donc les progrès qui sont accomplis. Donc également au niveau du réseau de distribution, il y a un ensemble de départs pour apporter plus d'énergie, plus de qualité, hein, qui ont été donc mis en service. Après la centaine de départs qui ont été mis en service, uniquement en 2019, il y a une cinquantaine de départs qui ont été mis en service pour mieux irradier donc tous les abonnés. Il y a donc une étape importante qui a été donc franchie, c'est donc l'électrification donc, des villages. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le gouvernement a donc demander donc au secteur donc l'électricité de raccorder 200 000 abonnés nouveaux dans le cadre du donc PEPT. Et cette année en 2019, il y a eu 205 000 abonnés, c'est-à-dire que les objectifs ont été donc atteints. Également, il fallait donc électrifier 917 nouveaux villages de plus de 500 habitants. Les 917 villages ont été électrifiés. C'est donc historique, c'est. Et quand vous comparez par rapport donc, à ce qui était fait avant, c'est monter la force du travail donc, du personnel. Il faut donc féliciter tout le personnel de Côte d'Ivoire Énergie, tous les acteurs du secteur de l'énergie, bien sûr avec le ministère du Pétrole et donc de l'énergie. Il est bon de rappeler qu'en 2011, le taux d'électrification était de 33%. Il y avait précisément 2818 localités qui étaient électrifiées. À fin 2019, avec ce qui a été fait, avec les 917 qui ont été rajoutés, mais également avec ce qui a été fait. Donc avant, on passe à un taux de couverture de 68%. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, en 9 ans, le taux d'électrification a été multiplié par plus de 2. Donc c'est l'occasion de féliciter vraiment tous les acteurs que j'ai cités dans le tantôt et donc les exhorter à continuer dans ce sens. Comme Sangor donc, le disait, avant de s'ouvrir, il faut s'ancrer. Et donc, ce qui a été fait par le personnel de donc, Côte d'Ivoire Énergie, ce qui a été fait par le personnel du secteur donc, de l'électricité est historique. Donc, pour venir sur les vœux pour 2019, les objectifs sont là, donc ils sont connus. Et dans le cadre du programme social du gouvernement, il faut électrifier 921 villages de plus de 500 habitants pour boucler donc, la boucle. Il faut raccorder 200 000 nouveaux abonnés donc, au programme PEPT, et la baisse de tarif social qui a déjà été donc, faite va donc continuer avec les abonnés au tarif social. Donc ce qu'on peut souhaiter donc, au personnel déjà, c'est de la santé,
c'est la santé, pour pouvoir atteindre donc ces objectifs qui sont donc très importants. Et puis, c'est plus de travail. Plus de travail, mais plus de travail pour des objectifs nobles. Plus de travail pour plus d'amour pour les Ivoiriens, plus de travail pour plus d'énergie. Hein, donc à la Côte d'Ivoire, donc aux consommateurs donc ivoiriens, donc aux industriels, plus de travail pour plus de villages donc électrifiés, plus de travail pour plus de postes mis en service, et plus de travail bien sûr c'est pour plus de qualité d'électricité fournie donc aux populations et donc aux industriels. Dire à tous ceux qui ont visité ce site là que Côte d'Ivoire Énergie, si Énergie est au service des populations donc ivoiriennes, Côte d'Ivoire Énergie travaille dans le cadre des missions assignées par le gouvernement, à savoir électrifier tous les villages de Côte d'Ivoire, passant par les villages de plus de 500 habitants, à savoir apporter de l'électricité, apporter des infrastructures donc de qualité donc partout en Côte d'Ivoire pour plus d'énergie pour le développement économique, social et donc industriel. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.